Ok, donc alors là, on est sur ClickFunnels. Je te montre comment tu peux faire pour mettre en place ta page de capture et ta page de remerciement et relier tout ça à ton autorépondeur. Donc là, évidemment, bon, moi, comme j'ai déjà des tunnels, c'est normal qu'il y ait déjà une liste comme ça. Toi, ça ne va pas se présenter exactement comme ça. Donc moi, je mets additionner new. Ensuite, tu mets create new funnel. Là, comme on veut collecter des emails, donc c'est ce qu'on va faire. Après, quand tu vas vouloir faire un. Autre chose, par exemple vendre ton service, ton produit d'information, tu iras ici. Mais là, on va faire collect email. On va mettre test. Test email. Hop. Select groupe. Alors, ça, c'est pour mettre différents groupes, les rallier à différents groupes. Bah, test. Voilà. Groupe test. Voilà. Build funnel. Et là, boum, tu vois, il m'a préparé les deux pages. Tu vois, opt-in et thank you. Donc, opt-in, ça veut dire page de capture. Donc, après, tu vois, il y a déjà des exemples. Donc, tu choisis parmi les exemples. Je vais prendre peut-être, attends, je vais peut-être prendre celle-là, ouais. Hop. Une fois que j'ai sélectionné, ça se met automatiquement. Ensuite, après, tu mets edit page. Edit page. Je crois qu'on dit comme ça en anglais. Et là, si on reste dans le même exemple que je te disais, par exemple, là, tu vois, c'est comme. C'est intuitif, hein. Tu vois, 4 astuces pour perdre du poids. Voilà. Boum. Du poids, je crois que c'est comme ça. Voilà, ça, après, tu enlèves. Voilà, je te fais un truc vraiment à l'arrache pour que tu puisses voir. Hein. Tu vois, quand tu vas là-dessus, ça te donne accès à ce que tu peux faire. Tu vois, ou sinon tu peux directement écrire quelque chose dessus. Tu vois. Donc là, ouais, non, là c'est une image. Par exemple, ici, tu cliques ici, après tu as plusieurs images. Tu vois, j'aurais pu rajouter d'autres images. Voilà. Donc une fois que tu as fait ça, ici, tu vois, il y a le nom. Là, tu peux modifier nom. Tu mets nom. Là, tu vois. Ici, tu cliques ici. Et tu vois juste ici, tu peux modifier. Donc, tu peux mettre cliquer ici. Donc, franchement, bon, c'est vraiment simple, tu vois, comme logiciel à mettre en place. Donc, voilà. Hello. Bon, voilà, tu mets bonjour. Bon, tu as compris le principe, quoi. Je vais pas refaire le truc entièrement. Et lorsque tu vas vouloir relier ton autorépondeur, tu vas venir ici, intégration. Tu vois, là, il te dit qu'en fait, il n'y a rien qui est connecté. Et là, tu appuies sur intégration, tu appuies ici. Et là, il te donne les différents autorépondeurs sur lesquels tu peux te connecter, tu vois, Aweber ou ActiveCampaign. Et une fois que tu cliques là-dessus, ça va t'emmener sur ta liste que tu as déjà fait dans ton autorépondeur. Ok? Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Là, je ne vais pas aller plus loin parce que, hop, ça ne sert à rien. Et pour après la page de merci. Et là, pareil, tu vois, il te donne des exemples de pages de merci. Donc la page de merci, c'est pour que la personne, elle s'inscrit, elle ait un message derrière qui dise merci de vous être inscrit, tu vois, le minimum. Donc là, je choisirai là par exemple. Donc là, il n'y a rien de spécial à faire sauf de modifier ce qui est écrit et de le mettre comme tu veux. Tu vois, voilà, tu peux mettre merci pour votre inscription. Voilà, tu vois, hop, t'enlèves ça, boum boum, ça t'en as pas besoin. Voilà, et puis voilà, tu peux mettre ça comme ça. Merci pour votre inscription. Boum. Tu enregistres. Et voilà. Donc voilà le principe pour pouvoir créer ton tunnel de vente, pouvoir récupérer les emails, page de capture, merci, et comment le relier à ton autorépondeur. Une fois que tu as fait donc tu as tout fait, tu as ta page de capture, tout est fait, plus ta page de remerciement, ce que tu fais, bah, tu vois ce lien-là, tu le copies et tu le mets sur tous tes contenus. Tu vois, que ce soit sur YouTube, tu mets la description, que ce soit sur Facebook, tu le mets à chaque fois que tu fais un post,
un truc comme ça. Donc tu vois, là je te montre, là tu peux avoir l'aperçu quand tu fais ça. Donc là il est inversé évidemment. Voilà. Donc là, je te donne l'aperçu. Hop, boum. Quand pour perdre du poids, la personne elle va mettre son nom, son email, boum boum, quoi, elle va cliquer ici. Elle va être reconduite sur la page de remerciement qui est ici. Donc voilà, tu n'as plus qu'à coller cette adresse-là et la mettre sur tous tes contenus à chaque fois que tu postes quelque chose.